édition 2015. C'est un grand coup de projecteur pour le sport en général et pour le cyclisme féminin en particulier. Parce que le sport féminin, malheureusement, est trop peu et trop mal représenté en France. Et j'espère qu'une seule chose, c'est qu'enfin, ces lettres de noblesse, elles les trouvent vraiment. Il y a des choses, hein, quand même. Hein. Roxane Fournière. Par les connaisseurs, il y a très peu de personnes qui savent qu'il y a la Route de France féminine. Donc voilà, je sais pas si le fait d'avoir une équipe française fait grandir l'épreuve, j'en suis pas si sûre que ça. Dans la catégorie des juniors, vos applaudissements pour Manon Soiris. On applaudit bien fort l'équipe de France. Française des Jeux ne mettent pas en place une section féminine. Je pense que à long terme, ce serait bien que ça devienne quasiment obligatoire que chaque équipe professionnelle ait une section féminine. Comment vous l'expliquez qu'en France, on ne donne pas les moyens au cyclisme féminin? Comment vous le percevez? Après, c'est pas que pour le cyclisme, c'est un peu tous les sports que les féminines sont un peu à l'écart au niveau des médias et des sponsors. Mais ça commence à évoluer petit à petit. Direction la Grande-Bretagne, mesdames et messieurs. Mademoiselle, à midi, ils vont partir.